Viaduc dans la région métropolitaine. Un viaduc au carrefour de Gérald Bataille et un autre du côté de Carrefour Marassa. Par les travaux de construction, de caniveaux et de compactage de certaines voies de pénétration que nous sommes en train de réaliser dans les communes de Tabar, Delma, Bois des Bouquets, Cité Soleil et qui vont bénéficier de l'apport du ministère des Travaux publics en asphaltage, la circulation des véhicules dans la région métropolitaine va considérablement améliorer et les grands axes routiers reliant ces villes vont être décongestionnés tels que Carrefour Chada, Croix des Missions, Croix des Bouquets, Carrefour Marassa, Carrefour Rita, Aéroport International Toussaint Louverture. Quant à la firme de construction japonaise, quant à vous, le service de génie municipal de la mairie de Tabar et le commissariat de police de Tabar sont à votre disposition. Je vous souhaite bonne besogne. N'hésitez pas à faire appel au conseil communal de Tabar pour des interventions ponctuelles. Et toute petite Tabar, tout le monde croit des missions. Travaux de construction, nouveau pont croit des missions pour le démarrer. Nous avons demandé à toute population pour des solidarités, nous, avec FIM Construction, ça, pour nous capables de faire travail dans déroulé, dans l'ordre et la discipline. Tout le monde croit des missions, connaît l'importance pour ça, parce que les gagnants plusieurs départements que le desservit. Mairie Tabar pour le mettre ensemble avec mairie Croix des Bouquets, mairie Cité Soleil, membre conseil communal trois mairies avec Kazek et l'autre élu qui dépend de section communale dans zone construction ponce pour nous réaménager cet espace qui va entourer nouveau pont pour nous capable construire un espace public qui c'est une place publique. Nous souhaitons vivement que la firme chargée d'exécuter des travaux respecte les délais contractuels de livraison des ouvrages. Ainsi, nous pouvons satisfaire les attentes de la population et de faire de ce projet une réussite totale. Au nom de la municipalité de Cité Soleil, nous nous associons à la cérémonie d'aujourd'hui, bien avant aux démarches qui ont abouti à l'accomplissement de ce matin. Les citoyens soleillens nous ont choisi, moi et mes collègues Joël Janéus et Charles Joseph, dans le but d'améliorer leurs conditions de vie. Je vois l'arrivée bientôt de la caravane du changement initiée par notre ingénieux président Jovenel Moïse dans le département de l'Ouest. Particulièrement dans ma commune de Cité Soleil, pour qu'enfin notre commune soit comptée parmi les communes bénéficiaires des investissements publics. Les nouveaux ponts qui seront érigés à la fin des travaux répondront à un double objectif. D'une part, rassurer les usagers en apportant plus de sérénité et moins de soucis. Et d'autre part, doter les communes de Tabar, de Croix des Bouquets, de Cité Soleil d'une infrastructure moderne, sécuritaire, contribuant grandement à améliorer le cadre de vie des habitants des trois communes. La construction de ce pont apportera le sentiment de sécurité pour tous. Cette construction permettra de faire face à certains problèmes de circulation qui peuvent être des contraintes au développement des activités économiques de la population. Cette construction rend aussi dans une politique
d'intégration et de développement, des ponts en bon état peuvent réduire la durée des voyages, accroître les échanges commerciaux et renforcer la cohésion entre les localités. C'est aussi le fruit d'une volonté de réduire les contraintes majeures dans les transports et accorder une importance cruciale à la construction d'infrastructures pour faciliter la vie au quotidien. Mesdames et messieurs, nous travaillons à chaque seconde, à chaque minute et à chaque heure pour que nous apportions les changements réels tant attendus par vous pour faire tout ce qui doit être fait. Président Côté, nous y est là, immédiatement après pour moi, sous zone tabac, lycée qui François Malaria y a été. C'est vrai, population a besoin de route, mais président, jeune Yotou a besoin d'éducation. Lycée qui François Malaria, président, il est dans le budget république là. Président, hier soir, la pluie tombée dans le tabac. Bon, avec CTA, pas de question d'inondation encore. Travail, travaux publics, t'es commencé à faire. Jusqu'à présent, il y a pas de bons résultats. Mais ça me souhaite, Président, le caravane a privé dans l'Ouest, en particulier 7 février, Balvina. Président, je souhaite, dans ce qui est sous l'Ouest, pour travaux publics, continuer à garder ce qu'a fait pour nous dans la zone OAVCTA. Excellence, d'abord, c'est une zone transversale qui est liée. Il y a une pile fréquentation qui est faite dans le tabac. Le tabac, des fois, il est très congestionné. Excellence, moi, je travaille déjà avec les travaux publics pour déboucher la zone dans la zone de quoi l'émission là, but boyer, pour arriver sous pont tabac, pour permettre la circulation décongestionnée dans la zone là. Ces deux ponts connectent la zone métropolitaine et les régions du centre et du nord ont une importance stratégique majeure, non seulement pour le transport quotidien, mais aussi pour l'opération logistique urgente lors de catastrophes naturelles. Je suis convaincu que ces nouveaux ponts modernes, plus solides et sécurisés, serviront au développement économique de la région et du pays entier, comme des artères renforcées qui vont supporter les politiques de dynamisation agricole et commerciale que Son Excellence Monsieur le Président promeut activement. Car en plus de faciliter une meilleure circulation des personnes et des biens, ils seront construits pour résister à une inondation avec un envergure de celle à reculance de 50 ans et plus. Caravane n'a pas arrivé dans l'Ouest. Caravane n'a pas arrivé, c'est pas pour nous faire son coup de l'âge. Caravane n'a pas arrivé pour nous travailler sérieusement. J'en parle gratifiant de loi. Trois chiffres. Loi qui permet l'État aujourd'hui travailler 24 heures sur 24. Nous pouvons travailler jour et nuit pour nous curer toute rivière dans la zone métropolitaine. Nous pouvons travailler jour et nuit pour nous faire route, toute route côté magistrat ou commencer à mettre à niveau. Nous pouvons travailler pour nous mettre asphalte pour nous. Nous pouvons travailler pour route, moi je fais là pour me sortir. Dans Douya, pour me réveiller bon citant. L'on prend de Douya pour y aller jusqu'à Poste-Cazo, route ça n'a pas bon même. Nous pouvons travailler pour route ça, pour toute route ça, une réflexion qui fait sur pour nous mettre en ville Port-au-Prince qui digne de nous, pour nous une zone métropolitaine, les 9 communes de la zone métropolitaine, pour communes ça, pour nous digne de nos communes, zone métropolitaine. Parce que nous tous, nous sommes des citoyens haïtiens responsables, je dis à cloche la sonne pour nous prendre destin nous en main, pour nous prendre tête nous au sérieux, et c'est pour ça que nous avons un président qui paraît pour prendre destin pays en main, ensemble avec nous, pour nous prendre tête nous au sérieux, pour tout le monde, tout notre pays sur la terre, qui arrive à respecter nous comme un pays libre, indépendant et dit